Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à votre émission de débat au cœur du sport, l'émission qui décortique donc les sujets sportifs avec des invités. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie de financement des clubs. Nil New York, les clubs burkinabés traversent des périodes difficiles en matière de finances. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau des acteurs, des analystes, des journalistes, des gens qui connaissent en tout cas le football burkinabé dans ses moindres détails. Je m'en vais rapidement vous les présenter à l'extrême droite, Monsieur Bamoussa Traoré, il est le président de la section football du RCK. Bamoussa, bonsoir. Bonsoir. En face de Bamoussa Traoré, Salifou Guigma de Horizon FM, la radio partenaire de cette émission et donc le fil rouge de cette émission. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. À côté de M. Bamoussa Traoré, un analyste reconnu, en tout cas, les retours qui nous reviennent, c'est dans ce sens, c'est M. René Sanou, il travaille dans le management du sport. M. Sanou, bonsoir. Bonsoir, Madi. Nous aurons au téléphone Rahim Ouedraogo, le fondateur donc, de Rahimo, l'équipe de football, l'actuel leader du championnat burkinabé. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir chez vous. Alors, la première question, naturellement, je vais la poser à M. Sanou. Et quand on parle de finances de club, qu'entend-on? Je vous remercie pour cette question et je vous remercie pour ce qui fait l'objet donc, de la rencontre de ce soir. Quand on parle de financement de l'équipe ou d'un club de football, il s'agit d'abord de voir quelles sont les ressources que l'on peut apporter à un club afin que ce club soit viable. Depuis donc la création du club, à partir donc des statuts qu'ils ont mis en marche, il faut donc voir l'intérieur des statuts et partir des statuts et voir qu'est-ce qu'il faut pour que le club puisse vivre. Donc la vie donc, du club sera donc basée sur donc, des fonds et comment obtenir ces fonds, c'est aussi ça donc, qui sera la réflexion au niveau des membres de ce club-là. Voilà ce qu'on peut dire pour le financement des clubs. Alors, monsieur Bamoussa Traoré, au niveau du RCK, est-ce que vous reconnaissez par rapport à la définition de monsieur Sanou? Je vous remercie, monsieur Madi. Bon, vous savez, hein, ce n'est pas facile. Ce que monsieur Sanou vient de dire, c'est ça, c'est vrai. Mais bon, nos clubs ici, on ne fonctionne pas comme ça. Il faut le dire, ce que M. Sanou vient de dire, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal, oui. Mais nos clubs ne fonctionnent pas de cette façon. Donc, bon, ce n'est pas facile, hein, comme vous l'avez souligné. Donc, le financement des clubs, il faut maîtriser l'environnement du football. Et c'est un problème vraiment crucial. Et vous savez qu'au Burkina Faso, l'État met un peu de moyens quand même pour soutenir les clubs. Donc, bon, pour le moment, nous ne comptons que sur ça, parce que bon, les mécènes, hein, ça, c'est rare vraiment. Ce que j'ai pu dire pour le moment. Alors, Guigma, par rapport à ça, est-ce qu'il a dit que les mécènes sont rares? C'est le découragement ou bien c'est le monde du football qui n'est plus attractif? Vous savez, d'abord, il faut qu'on se situe sur ce qui est conventionnel. OK. Voilà, le football n'est pas différent au Burkina par rapport à ce qui se fait en France, en Indonésie et autres. Donc, ce qui est conventionnel, c'est qu'il y a trois origines de revenus. En football, il y a la billetterie, il y a le droit télévisuel, et puis il y a le sponsoring, à l'intérieur duquel vous avez par exemple le merchandising et autres, la vente des maillots et tout ça. C'est ce qui se passe, on va dire, en Europe et dans le football professionnel. Mais à côté de ça, il faut d'abord qu'on ait cette définition au Burkina avant de parler de notre contexte particulier. Okay. Ce que j'ai dit plus haut, c'est ça, le mode conventionnel. Après, vous avez un contexte à la Burkinabé qui se traduit par une subvention et aussi par le mécénat. Ce qui est d'ailleurs, je pense, effectif depuis une dizaine d'années, même si pour la subvention, c'est sur les 5-4 dernières années qu'on a. Voilà. Qu'on a encore revu cela, ça fait que, quoi qu'on dise, c'est pas que ça pousse les dirigeants à dormir, mais vous avez quand même, à un moment donné,
ce sentiment qui est qu'on a comme de l'argent posé à côté et on va chercher quelque chose pour venir compléter. Or, le contexte économique fait que, comme c'est le cas actuellement, que vous allez vous retrouver à un moment donné avec un trimestre, voire un semestre, sans argent. On fait quoi? Voilà toute la question. Je sais, sans être dans le secret de Dieu, qu'actuellement, là où nous sommes, au mois de mars, c'est compliqué pour les clubs parce que l'État n'a pas encore réagi. Donc, c'est un peu ça le problème. Et on va maintenant poser le doigt sur le mécénat en espérant que le bon samaritain viendra de quelque part pour sauver les meubles. Et n'oubliez pas, mettez une croix sur les cotisations parce que j'en vois pas, moi, un seul club au Burkina ici où. Hein, pour se rester au niveau de la sphère dirigeant, il y a même cotisation. Je ne parle même pas des supporters. Monsieur Sanou, est-ce que ce n'est pas parce que depuis quand même longtemps, nos clubs quand même ne datent pas de maintenant. Il y a des clubs qui ont 60 ans, 70 ans, d'autres moins. Mais depuis, on n'a pas eu une organisation plus ou moins scientifique qui a régi les clubs. C'est resté des clubs d'amis, des clubs de relations. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a constitué plus ou moins notre faiblesse? Il faut dire qu'il y a ça. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a effectivement le caractère associatif donc, de nos clubs qui est quand même une des raisons fondamentales de cette situation financière. Il y a aussi le fait que depuis un certain temps, il y a le phénomène politique qui a aussi donc participé à désarmer un peu certains, je dirais, des donateurs ou qui a désarmé un peu certaines bonnes volontés. Et donc, cela quand même a créé un certain nombre de déséquilibres au niveau des clubs. Donc, quand on prend du point de vue d'ensemble, il y a quand même le fait qu'au sein des clubs, il y a une désorganisation. Il y a même une organisation, ce qui donc entraîne aujourd'hui la situation que l'on vit. Cette situation n'est vraiment pas intéressante à voir parce que quand vous voyez ce qui se passe dans les clubs, à la limite, vous vous posez réellement des questions sur l'avenir du football burkinabé. Donc, il faut aujourd'hui repartir donc sur les bases de la création de nos clubs, mais il faut quand même revoir un peu cette base-là. Nous sommes d'accord, les clubs ont été créés à caractère associatif, mais il faut aujourd'hui qu'on dépasse un peu ça au fur et à mesure pour arriver à un système, donc, même s'il faut qu'il y ait un système de je ne dirais pas de parrainage, un système de partenariat à la limite, je ne dirais pas public-privé, privé-public, mais pour redonner vie à nos clubs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au sein des clubs, on ne sait pas comment avoir de l'argent. Or, nous avons donc tous les moyens aujourd'hui, parce que nous avons aujourd'hui des moyens scientifiques pour se faire de l'argent. Et comme l'a dit Salif Guigman, il y a aujourd'hui trois éléments fondamentaux qui nous donnent effectivement aujourd'hui de l'argent au club. Mais c'est des éléments fondamentaux qui sont d'accord conventionnels. Mais dans le cas du Burkina, cela est difficile à appliquer. On ne peut pas. Au niveau de la billetterie, au niveau des droits télé, au niveau du merchandising, on ne peut pas. On sait que ça existe, mais les gens ne le pratiquent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps ou alors on ne connaît même pas, on ne sait pas comment faire. Il y a même les cotisations, les dons, le sponsoring et autres. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Même quand ils savent, ça ne leur dit rien. Donc aujourd'hui, il faut mettre fin un peu à toutes ces anciennes méthodes que nous avons connues depuis 60 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, faire face à des méthodes scientifiques qui vont nous amener à travailler dans nos clubs afin d'avoir de l'argent. Il y a les moyens de travailler. Il y a effectivement toutes les stratégies pour se faire de l'argent. Si aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de travailler dans nos clubs pour se faire de l'argent, nous allons avoir les moyens de travailler pour se faire de l'argent. Et ça, il y a effectivement les outils de gestion qu'il faut pour ça. Oui, alors, Bamoussa Traoré, on sait qu'au niveau de la ligue professionnelle, on a confié l'organisation des matchs au club. Et semble-t-il pour vous permettre de booster donc, vos recettes. Mais je ne dirais pas c'est où, mais semble vous êtes allé jouer quelque part où on vous a donné 7000 ou c'est combien de francs de recettes de matchs alors que le terrain était plein. Comment vous vivez ça, vous qui êtes sur le terrain, comment vous vivez ça au sein des clubs? Vraiment, pourquoi vous n'arrivez pas à augmenter les recettes au guichet? Bon, vous l'avez si bien dit, hein, c'est dommage. Hein, donc, par rapport à l'organisation des compétitions, donc les clubs avaient l'organisation des compétitions, mais à un certain moment, bon, ils nous ont retiré un peu certains aspects-là. Donc, nous ne faisons que la billetterie. Et dites-vous aussi que bon, les gens ne viennent pas au stade, hein. S'il n'y a pas de spectacle, bon, vous ne verrez pas les supporters au stade. Donc, il faut se dire que les clubs en souffrent beaucoup. Bon, comme vous l'avez dit,
tantôt, nous sommes allés sur un terrain. Le stade était plein, effectivement. Après, après la rencontre, nous avons eu que 4 700 francs. Ah, même pas 7 000. 4 700, je vous assure. C'était dommage, le stade était rempli. Oui. Bon, c'est dommage, hein. Et qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils viennent au stade, ils ne veulent pas payer, ils rendent cadeau. Bon, ça ne permet pas au club de se faire de l'argent. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au club, là. Oui. Il faut se dire que maintenant, personne ne viendra mettre de l'argent dans le club sans intérêt. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc, ce que M. Sanou vient de dire, le passe, il faut carrément laisser tomber nos méthodes anciennes, là. Et celui qui vient pour sponsoriser le club, il veut un intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, il ne va pas mettre son argent. Donc, il va falloir travailler pour amener des mécènes maintenant qui auront les intérêts. L'intérêt, c'est quoi? Bon, vous savez que nos commerçants ici, ils s'en fichent pas mal de la publicité. Bon, c'est peut-être la vente des joueurs. Donc, tout ça, là, c'est l'encadrement et, comment dirais-je, et la formation. Quand vous avez des jeunes bien formés et que vous arrivez à placer à l'extérieur, ça vous apporte un peu d'argent. Bon, ces gars-là, ils viendront avec les moyens quand même pour structurer le club afin d'avoir quand même une formation de petite catégorie bien structurée là et pouvoir amener les jeunes en Europe pour que quand même les clubs puissent faire un peu d'argent. Oui, Salif, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à la recette là. 4 700 francs alors que le terrain était plein. Forcément, il y a eu soit de la mauvaise foi au niveau des caisses ou bien, en tout cas comme M. Bamoussa l'a dit, les gens sont rentrés cadeaux et ce n'est pas normal non plus. Vous voulez que je vous dise combien on a eu comme recette lors du match Salitas Club Sfaxien? Non. 1 800 000. 1 800 000, ah oui. 1 800 000. Avec ce terrain-là? Oui. Salitas Rangers, 1 400 000 de recettes. Ben, pourtant, il y avait chercher, du public quand même. Je suis allé chercher, j'en viens. Oui. Je suis allé chercher les chiffres, on me les a présentés. Oui. Ça veut dire que vous faites une approximation hein, au niveau donc, du public qui a eu que la recette, par exemple, pour le cas Salitas Club Sfaxien, vous avez peut-être, en termes d'entrée, la moitié du public. L'autre moitié, là, est rentrée zéro franc. Je dis qu'il faut commencer, c'est bien beau, M. Sanou, c'est son travail, il fait des élaborations de stratégies autres. Oui. Mais après, au niveau des clubs, ben, Moussa, il va falloir mettre ça en pratique. Parler, c'est joli, mais il faut commencer par les quelques matchs qu'on a ici. Vous avez RCK Ifo, où au regard des enjeux, on peut aller chercher 2 millions, mais vous avez la moitié du stade qui rentre cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le RCK qui reçoit. Il y a un problème. Moi, je crois qu'il y a un véritable problème. Qu'est-ce qui se passe au niveau des portiers? Quelle est l'organisation? Il faut commencer à canaliser un peu le peu qu'on a à partir de là. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup, mais même le peu là, on jette ça à travers, par la fenêtre. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça se présente. Donc, au niveau de la billetterie, il va falloir, à ce niveau-là, être rigoureux. Faire en sorte que les clubs qui ont l'organisation des matchs aujourd'hui trouvent le mécanisme édifiant, permettre aux gens de rentrer. Je pense que ça doit être une fierté, hein, en dehors même des journalistes. Voilà, ça doit être une fierté pour le dirigeant que je suis, de venir payer l'entrée. Ah non, je suis le dirigeant des RCK, il rentre cadeau. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un texte qui le dit, qui dit, bon, le dirigeant rentre cadeau? Ou l'ancien joueur de l'EFO qui arrive, qui bande les muscles, non, vous devrez me connaître, je n'ai pas besoin de présenter ma CNB, c'est moi un tel, je rentre cadeau. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, et c'est ce peu-là qu'on est en train de dilapider comme ça. Donc pour moi, c'est faire en sorte qu'on puisse organiser ça. Voilà. Et vous allez voir que ça ne va pas permettre d'aller chercher des salaires pour les joueurs, mais c'est déjà pas mal dans l'organisation, ça va même encourager des gens à aller voir ailleurs. Ensuite, au niveau de pas du sponsoring, la vente des non, pas la vente des maillots, le merchandising. Le merchandising, ouais, voilà. Les produits dérivés. Oui, mais regardez, un problème déjà, je ne sais pas comment est-ce que les clubs l'expliquent. La fédération, elle est contente de vous donner des maillots en début de saison. Oui. Mais c'est des maillots estampillés, partenaires FBF. Voilà. Moi, je suis une entreprise, je veux bien coller
mon image à votre club parce que vous faites des résultats et tout. Qu'est-ce que je fais? Vous présentez, je ne vais pas citer les noms ici, on ne fait pas la pub, mais vous présentez un maillot, vous avez carrément le sponsor de la Fédé. Exactement. Oui. Même pour les photos de groupe, pour le protocole d'entrée, où vous avez quand même, pour parler de votre équipe, sur une plateforme de communication, c'est la photo qu'on met. D'accord? Mais vous avez le partenaire qui est là, qui n'est pas votre partenaire à vous, en tant que club. Voilà. C'est-à-dire que même au niveau des manches, vous êtes incapable d'aller griffer quelque chose parce que là aussi, c'est occupé. Et vous voulez quoi? Moi, je ne sais pas comment c'est organisé. Donc, ça, c'est un problème. Il va falloir qu'avec la fédération... C'est pourquoi je dis qu'on est souvent pressé d'aller en pleine saison. Il y a des préalables qu'il faut évacuer avant d'entamer la saison. Entre autres, cela. Demandez à la fédé ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire de sorte à ce que nous aussi, nous puissions trouver notre compte. Donc, ça, c'est un problème. Et quand je reviens maintenant sur la vente des produits dérivés, bon, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué, mais dans le temps, je me rappelle, il y avait ces autocollants, il faut asseoir où les gens étaient fiers de les coller sur les motos, les voitures, ainsi de suite. Ça coûtait pratiquement rien. C'est vrai que c'est un peu retombé. Mais aujourd'hui, on a, avec l'évolution, des articles qui se présentent très bien. Regardez quand les étalons ont avec le prouesse en 2013. Wow. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ça ici? Ça marchait quand même. Voilà. Excusez du pain jusqu'aux sous-vêtements. On a vu des trucs étalons. Alors, ça même aussi... le conseil des ministres était en écharpe. Ah ben voilà, tant mieux. Donc, ne me dites pas donc que ça marche que pas. Ça marche. Voilà, c'est peut-être le concept qu'il faut aller chercher. Mais je dis, j'insiste, je reviens sur ce que j'ai dit plus haut. Il va falloir regarder, franchement, au niveau de la billetterie, pour qu'on s'organise. Si vous dites aux journalistes de payer, nous, on va payer. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on est sûr que ça va pour le développement du football. Ensuite, monsieur, ça nous veut bien travailler pour élaborer des stratégies, mais il ne peut rien quand le dos du maillot et puis la face sont occupés par des partenaires de la Fédé. Ce n'est pas ce qu'il peut faire pour vous. Oui, monsieur, oui, réagis pas, Moussa, avant. Ça, sinon que la fédération n'a pas oublié le club. Hein. Si vous avez vos sponsors, vous pouvez... Vous pouvez mettre vos sponsors oui, aussi mais, si c'est moyen. Il y a des endroits, on sait que le sponsoring, il y a des endroits où... Ah, mais bien, si vous appelez Sonabel et que c'est la Sonabel qui prend votre équipe en charge, ben, vous laissez tomber la situation de la fédération et vous sponsorisez vous-même. Ah non, ça veut dire que si vous avez les maillots que vous prenez, c'est en échange de la subvention. Ah ouais, ça, c'est vous donc, le dire. Donc, ce n'est plus une subvention, c'est... Mais ce que je constate, puisque nous pouvons aussi, avec nos sponsors... Mettre, comment dirais-je, on peut même mettre le sponsor sur les maillots, avec les sponsors de la fédération. Oui. Donc, si tu joues avec un maillot sans sponsor, on te rappelle à l'ordre. Ah bon? Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez que j'ai mais bien sûr, mais j'aimerais, oui. Alors, il faut évacuer ces préalables avant la saison. Mais j'aimerais avoir l'avis de M. Sanou par rapport à ça. Pourquoi la fédération oblige les clubs à porter des maillots floqués de son sponsor? Alors qu'ils disent que l'argent qu'ils donnent là, c'est une subvention. Ben non, la fédération oblige, d'accord, c'est un peu trop fort. Oui. Je crois que la fédération... Mais lui, il dit que s'ils ne portent pas, on les rappelle à l'ordre. Non, on les rappelle à l'ordre parce qu'aujourd'hui, la fédération a effectivement comme sponsor officiel... Une entreprise de téléphonie mobile. Voilà. Et donc, au regard de cette situation, la fédération estime que ce que l'entreprise de téléphonie mobile nous apporte comme financement, nous le mettons à la disposition, une partie est mise à la disposition donc, des clubs du Burkina. Oui. Donc, nous allons, au regard des conventions qui ont été signées entre le sponsor et la Fédé, voilà, il y a le flocage donc, de la maison de téléphonie qui est sur le maillot. Mais la fédération dit il n'est pas exclu que vous ayez un autre sponsor et que cet autre sponsor trouve une autre place au niveau donc des maillots que nous vous donnons pour le mettre sur votre maillot. Donc la fédération dit, bon, ce sponsor officiel, si demain, par exemple, nous estimons que nous n'avons pas besoin donc, de ce sponsor de la Fédé, nous avons donc notre sponsor, la Fédé dit, OK, il n'y a pas de problème, vous ne bénéficierez pas donc de la subvention, et bon... Ça veut dire qu'il y a problème à ce niveau. Il y a un problème de définition. Il y a problème peut-être, il y a problème à ce niveau. Parce que la subvention, je dirais que la subvention doit permettre effectivement au club de football de vivre, quand même de s'équiper et de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, cela ne doit pas être en fait un handicap. Mais je crois qu'au regard de la convention qui a été signée entre les deux, c'est ce qui donc peut-être oblige la fédération à dire, bon, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut.
Mais moi, je tiens à dire que, en fait, cela ne doit pas empêcher nos clubs d'aller effectivement à la recherche de sponsors, à la recherche de mécènes, à travailler dans le domaine du merchandising. Parce que quand on fait un peu le point du merchandising, ça peut apporter beaucoup de choses. Absolument. Les porte-clés, tous les gadgets des clubs peuvent le faire, les boutiques de clubs, etc. Parce que, comme vous l'avez dit en 2013, les écharpes, les maillots. Aujourd'hui, nous avons donc, sur au niveau des internautes, sur Facebook et autres, mais c'est des maillots qu'on vend à 10 000, Absolument. À 5 000. Et les gens s'en accaparent. Si aujourd'hui, avec un travail qui est bien fait, l'effort, excusez-moi, je prends l'effort de mon ami Salif. Donc, si l'effort décide aujourd'hui qu'entrer sur le terrain d'entraînement de l'effort, avec effectivement tout le travail qui a été fait, tous les équipements qui y sont, voilà, nous exigeons d'abord l'entrée temps, nous exigeons que vous payez des gagés, vous payez ceci. Mais non, avec la nouvelle année, on peut avoir des calendriers. Il y a beaucoup de choses que les clubs peuvent faire pour se faire de l'argent. Entre griffes même de ce qu'on appelle chez nous ici le Dasandaga, il y a des méthodes effectivement de recherche d'argent. Et tout cela peut amener même à travers toutes ces manifestations, même des journées EFO ou les 48 heures EFO, etc., etc. Et ça va nous amener à avoir un minimum. Peut-être à travers ça, des sponsors même seront, peut-être des gens seront prêts à dire, mais tiens, mais vous êtes bien organisés, on vient vous voir. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de méthode d'approche, il n'y a rien qui puisse amener effectivement des clubs à travailler, à rechercher de l'argent. Et surtout que depuis qu'on a le ministère à travers la Fédé qui subventionne, qui apporte de l'argent, on a baissé les bras. Et, or, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Ça le trouve comme une zone de confort, cet argent qu'on donne là. En fait, oui, une zone de confort. Oui. On croise les doigts et puis bon, on s'assoit. Et aujourd'hui, il y a problème. Donc nous disons que il ne faut pas se décourager un peu de l'attitude de la fédération. D'accord, la fédération aussi rejette l'argent, parce qu'à travers ça, la fédération éjecte de l'argent au club. Il faut que les clubs aussi travaillent donc à rechercher des sponsors, à rechercher des mécènes, à rechercher effectivement toute forme de financement qui peut apporter quelque chose au club. Parce que bon, il faut reconnaître que nous, on est dans un domaine quand même économique où il y a une certaine tension, une certaine récession économique qui fait qu'aujourd'hui on a un certain nombre de problèmes, mais cela n'empêche pas que la joie de jouer au ballon, la joie de s'amuser doit toujours exister. Alors, M. Traoré, au niveau des clubs, vous ne bougez pas acheter pour aller vers les sponsors ou bien… Il faut se dire que le contexte est difficile. Hein. Actuellement, le contexte est difficile, comme vous le savez. Donc, ce n'est pas facile. Tu vas voir un mécène pour de l'argent. Bon, il a d'autres champs à fauter. Donc, ce n'est pas facile. Il faut se dire aussi que le prix du championnat n'est pas attrayant. Bon, vous jouez pour 12 millions en fin de saison. Vous dépensez 50 millions pour le championnat. C'est vraiment… C'est infime, ça. Vous avez compris 12 millions de francs CFA. Et pour avoir ces 12 millions, il faut dépenser 50 millions. Vous savez que c'est compliqué, c'est difficile et inadmissible. Donc, c'est compliqué. Il va falloir que la fédération augmente peut-être le prix du championnat pour que ce soit attrayant. Bon, quand vous avez 50 millions que vous devez aller chercher, même si vous dépensez 20 millions pour ça, bon, c'est jouable. Mais s'il faut dépenser 50 millions pour aller prendre 12 millions, vraiment, vraiment, je pense que bon, ça aussi c'est un problème. Gagner, sinon, si tu ne gagnes pas, ça c'est déjà… tu as le problème avec les créanciers. Donc ça, ce n'est pas du tout facile. Les prix ont connu hausse quand même. Oui. Pour le cas du mandat de Sita Sangaré. Mais après, je pense qu'il faut quand même relativiser et se dire que les réalités d'il y a 10 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui. Voilà. Et que les choses évoluent, il faut évoluer avec. C'est vrai aussi que même si on met 20 millions, ça ne va pas suffire. Je suis d'accord. Mais pour moi, le titre, c'est quelque chose de symbolique. Voilà, le titre. On peut quand même faire des restrictions et à certains niveaux et aller quand même donner peut-être 20 millions pour que ça puisse quand même bien résonner à l'oreille quand on va parler de notre face au foot. Après, ce que je voudrais relever, c'est que M. Sanou fait bien de mentionner un peu l'organisation qu'il faille à certains niveaux de nos clubs. Mais aujourd'hui, qui sont les hommes qui y sont? Je pense que l'organisation pratique est bien dessinée. Après, l'organisation ne vaut que par les hommes qui sont chargés de l'affaire. Et ceux qui y sont, sont pour la plupart des gens qui sont passionnés. Comme ça, jouer au RCK, donc il faut qu'il y reste parce qu'il aime le RCK. Mais est-ce qu'il est prêt
pour est-ce qu'il est, il est suffisamment outillé aujourd'hui pour gérer la section football du RCK à même de permettre à l'équipe de monter? Parce que le tout n'est pas de rester là et puis de croiser les bras et sortir avec sa veste, on est content, on vient, on est assis, c'est le président du RCK. Non, je pense qu'il y a aussi la qualité des hommes qui doit, à mon sens, primer. D'accord. Et s'il faut qu'on aille jusqu'à un appel à candidature, on en parlait en off, oui, il faudra le faire. Parce que aimer le club ne suffit pas. Avoir les moyens, on l'a constaté, hein. Beaucoup sont arrivés avec des millions, mais ça aussi, ça ne suffit pas. Je pense que le critère qui vaille d'abord, c'est connaître la chose. Voilà. Si tu la connais, après, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à faire. Et l'organisation au niveau des clubs, il faut revoir un peu. Monsieur Sanou, revoyez un peu. Vous allez vous rendre compte que c'est plus une question pour les clubs omnisports de section, de PCA, de président, je ne sais pas quoi. Mais le côté marketing, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que c'est le président qui le fait. Il commet peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pratiquement rien à faire et qui est là. Or, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je fais confiance, qui est en face de moi pour discuter marketing. Oui, alors, M. Sanou, même par rapport à l'organisation, est-ce qu'il n'y a pas de lourdeur? Parce que je sais que ces histoires de PCA là, sont arrivées au début des années 90 avec la SEC d'Abidjan. Tout le monde voulait faire comme la SEC. Donc, on est rentré dedans, PCA, PCA. Alors qu'avant, ici, c'était le comité exécutif, le président, et puis ça marchait. Est-ce que toutes ces lourdeurs n'ont pas contribué aussi à créer d'autres problèmes parce que le PCA est en haut, même s'il ne fait rien, il faut aller le voir. Bon, lui aussi, il donne son argent, le comité exécutif ne fait rien. Bon, si bien que, en fin de compte, chacun est assis et puis il regarde son camarade, comme dit l'autre. Non, 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 il faut, je suis d'accord avec vous, hein, oui. Il faut le dire que toute cette organisation de PCA, de comité exécutif et autres, nous ramène un peu à la lourdeur administrative que nous traversons dans notre gouvernance aujourd'hui. Vous savez, quand on part au niveau de nos ministères, comme on le dit tous les jours, hein, nous avons cette lourdeur administrative, les correspondances traînent, etc., etc. Cela se ressent aussi au niveau des clubs. Vous avez aujourd'hui les clubs, on ne sait pas où se trouvent les sièges. Vous avez le club, il y a le PCA, il y a le comité exécutif. On ne sait pas quel est le rôle du PCA, on ne sait pas quel est le rôle du comité exécutif. Il y a un fourre-tout, il y a donc toute cette lourdeur qui fait qu'aujourd'hui, quand vous envoyez une correspondance dans un club, il faut donc attendre, on va envoyer au PCA, ensuite le PCA n'est pas là. Bon, il y a vraiment une lourdeur. Et ça, ça handicape beaucoup le fonctionnement du club. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un stade où, comme l'a dit Salif, même s'il faut faire appel à candidature, on fait appel à candidature. Ça dit que là, nous savons que c'est des gens qui viennent parce qu'ils veulent et s'y connaissent. Il y a aussi le fait qu'il faut réorganiser tout ce système-là afin d'avoir affaire vraiment à un système, je dirais, scientifique, un système de gouvernance de nos clubs qui répondent aux normes, je dirais même, actuelles de la FIFA. Parce que quand vous prenez les documents de la FIFA, quand vous parlez d'une licence de club, mais aujourd'hui, si on veut appliquer les textes de la FIFA, on ne peut pas l'obtenir. Aucun club du Burkina ne peut l'obtenir, peut-être à la limite deux clubs, hein, un ou deux clubs, que je ne citerai pas ici. C'est donc dire qu'il faut qu'on fasse un travail de fond. Aujourd'hui, moi, je trouve que, au-delà du financement des clubs, il y a tout un certain nombre de travail à faire. Parce que moi, j'insiste pour dire que nous pouvons aujourd'hui revoir ce système-là afin de pouvoir passer à des phases où le financement des clubs va quand même connaître un certain bond. Sinon, l'attitude que nous avons aujourd'hui, quand on voit nos clubs, c'est des attitudes désolantes parce que tous les jours, vous avez des joueurs qui vous disent « on n'est pas payé ». L'argent est venu, il y a eu ceci, il y a des bureaux où c'est en fait des frictions. Et je crois que ça ne fait pas vraiment honneur au football burkinabé. Il faut donc que nous travaillions à ce que les clubs se ressaisissent. Donc, et nous disons, nous sommes prêts aujourd'hui au niveau du cabinet à apporter nos compétences, à apporter tout ce que nous pouvons au club afin réellement de s'organiser. Parce qu'il n'y a que l'organisation qui va d'abord permettre à nos clubs d'y aller. Bon. La question même des 12 500 millions qui sont donnés à la fin du championnat aux champions, au-delà, comme l'a dit Salif, il y a la question symbolique. Parce que vous êtes champion, vous sortez en Coupe africaine, vous sortez en Ligue. Et ça, quand même, c'est des éléments qui peuvent vous apporter quelque chose. Il y a le transfert des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Mais les transferts même des joueurs, il y en a qui ne savent pas comment ça se passe. Il y a des joueurs qui partent en catimini à travers certaines personnes. Et ça fait du manque à gagner au club. Donc, il y a tout ce système-là qu'il faut réorganiser afin que nos clubs connaissent vraiment des méthodes de travail qui soient vraiment, je dirais, qui répondent
à nos ambitions. Sinon... Oui, Salih. Juste pour ajouter, c'est vrai que le cas Salitas est pris en exemple, en référence par beaucoup d'observateurs, en citant le nombre de joueurs que Salitas a transféré la saison écoulée et tout. Mais on oublie un caractère important, c'est pourquoi j'ai rejoint M. Sanou, c'est que dans l'organisation du club, il faut des joueurs jeunes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un joueur à plus de 5 millions dans la sous-région parce que c'est qu'on a, on a la moyenne. Jeunes, il faut les former aussi. Il faut les former, c'est pourquoi je parle d'organisation. Oui. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, la moyenne d'âge là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez que vendre dans la sous-région. En Europe, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà à un certain âge. Donc, on a besoin de joueurs de 19, 20, 21, tout au plus, au niveau de l'Europe. Et là, pour avoir des joueurs de qualité, mais il faut forcément s'organiser, il faut former. C'est pourquoi je dis que le cahier des charges, je pense que le premier point à souligner, c'est les petites catégories. Faire en sorte que dans la formation, au lieu d'aller chercher l'oiseau rare au niveau de la sous-région, et d'ailleurs ça court pour les rues, parce que quand c'est moyen, ça file pour partir en Afrique du Nord ou je ne sais pas, dans le reste du monde. Du monde. Donc il faut aller, à un moment donné, il faut avoir un réservoir où il faut aller chercher les joueurs pour venir. Parce que dans le temps, on a vu, hein, avec les faux, il y avait toujours 4-5 joueurs qui sortaient des juniors et qui montaient. Aujourd'hui, ça a disparu. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un club, ou du moins, c'est peut-être très, très rare, comme les larmes de chien, qui peut dire, voilà, un produit puits de notre équipe. Il n'y en a pas. Donc, Bonjour, Raïm Ouédraogo. Oui, bonjour. Oui, alors, Raïm, vous êtes le fondateur donc, de Raïmo. C'est la première fois que nous vous avons donc dans cette émission. Rapidement, en un mot, qu'est-ce qui vous a amené à fonder ce club après, à la fin de votre carrière? Bon, ce qui m'a amené à créer ce club, comme vous savez, moi j'ai eu la chance d'être footballeur professionnel. Et le football m'a tout donné dans ma vie. Et nous, on n'a pas eu de formation, on était dans la rue. Et je me suis dit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvaient d'être des footballeurs professionnels. Oui. Donc, si on mettait une bonne structure en place, peut-être qu'on pourrait aider quelques jeunes à devenir des footballeurs professionnels. Oui, alors Raïmo, on parle aussi de, on parle aujourd'hui du financement. Alors, comment Raïmo est financé? Oui, ça c'est le nerf de la guerre. Le financement n'est pas facile. Oui. Et dans le football, puisque vous savez, au Burkina Faso, le football ne rapporte pas. Et les sponsors ne s'intéressent pas trop au football, puisqu'ils n'ont pas grand-chose en retour. Et bon, le Raïmo, c'est pourquoi Raïmo a une autre philosophie. Pour faire entrer de l'argent, il faut pouvoir placer des joueurs, pour pouvoir former des jeunes joueurs. Donc c'est dans le placement qu'on peut gagner de l'argent. Et Raïmo a la chance, Raïmo FC a la chance qu'il y a une compagnie de transport. Raïmo et transport qui est derrière pour sponsoriser. Et pour dire que le premier projet, c'était le centre de formation. Oui, mais j'ai vu que si je commençais par le centre de formation, ça allait être difficile puisque c'est un travail sur la durée. Donc, d'où l'idée m'est venue de créer d'abord Raïmo Transport qui allait pouvoir soutenir en fait le Raïmo Football Club. Oui, alors Raïm, si ce n'est pas un secret, bon à mal, combien Raïmo vous coûte? Raïmo FC vous coûte? Raïmo FC me coûte pas moins de 100 millions l'année. Par an. Donc, c'est qui est beaucoup. Oui. Ouais, ça peut acheter des cars. Ça peut acheter naturellement. Oui. Mais alors, comme vous savez, comme vous savez, quand on aime quelque chose, on dépense sans compter. Puisque c'est, comme on dit, ça fait plaisir d'aider des jeunes. Et toi, en retour aussi, tu gagnes du plaisir, puisque c'est la chose que tu aimes. Oui. Alors, on sait que vous avez transféré quelques joueurs. Il y a Francis Traoré à l'Ajax. Il y a, je crois qu'il y a le gardien Kofi qui est passé par vous, par l'ASEC, pour être aujourd'hui à Lille. Est-ce que vous avez encore des projets pour envoyer quelques enfants encore en Europe? Non, et puis il y a Zakaria Sanogo qui est Oui, Zakaria Sanogo, en Autriche, oui. Qui est en Autriche. Oui. Et nous sommes déjà, il y a un petit qui doit aller au Danemark. Oui. Et la saison prochaine, normalement. Nous sommes en train de préparer l'été prochain, en fait. Les joueurs qui seront, qu'on pense qu'ils peuvent aller faire des tests, iront faire des tests. Et ces tests-là réussissent pour ces enfants. Parce que, comme vous savez, et celui qui réussit dans le football aujourd'hui, peut gagner sa vie et puis aider sa famille. D'accord. Il y a Salif qui a une question pour vous.
Oui, bonjour. Bonjour, Raïm. Oui. Ma question est un peu extra hein, par rapport au thème, mais vous allez voir que c'est à deux variétés. Dites-nous, okay. Voilà, en début de saison, est-ce que quelque chose a été particulièrement fait au niveau de Raïmo FC pour qu'aujourd'hui on vous voit quand même à la tête du championnat? Et est-ce que également vous n'avez pas peur finalement qu'après un succès comme ça au niveau de la saison en cours, des joueurs ne partent et que le club redevienne peut-être comme ça a été le cas l'année écoulée? Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui suivent Raïmo FC commencent à me comprendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. J'ai suivi une fois votre émission, oui. Quand la première année, Raïmo a été troisième, oui. Et on dit que voilà, la première saison, les équipes arrivent à compétir. La deuxième saison, l'année passée, quand on était un peu au milieu du tableau, on dit voilà, répéter ce qu'on a et rééditer ce qu'on a fait, c'était le plus difficile. Mais la politique de Raïmo, au fait, c'est de former des jeunes. Quand ils forment des jeunes pendant 5 ans, et quand ils ont l'âge de 16 ans, ça veut dire que ces enfants peuvent déjà compétir. S'ils ont la qualité, moi, je les laisse compétir. Parce que tu ne vas pas former des joueurs, des gamins, et puis aller chercher des joueurs ailleurs pour les faire jouer parce que tu as besoin du titre. Donc, pour dire que c'est ces gamins, au fait, qui jouaient l'année passée, quand on est monté d'abord en 2F, c'était l'équipe de la deuxième division qui a compétit, donc ils étaient en jambes. Mais l'année passée, on a fait monter beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, et donc c'était difficile, il fallait s'adapter. Et c'est ces jeunes, cette année, qui ont pris confiance, qui ont pris de l'expérience, qui sont en train de jouer comme ça. Et quand vous parlez au fait de la vente, oui. Et quand vous savez, ces enfants-là, c'est la réussite des enfants-là qui est d'abord importante pour moi, et non le résultat du club. Et quand ces enfants vont partir, ils ont ces petits frères qui vont monter, peut-être on va souffrir encore 1 à 2 ans avant de rebâtir une grande équipe. Parce que ces enfants, nous, on ne peut pas bien les payer, que ce soit nous, que ce soit les autres clubs. Donc, les enfants vont toujours chercher à partir. Et on ne peut pas les empêcher. Si on veut que ces enfants-là gagnent leur vie, on ne peut pas les empêcher de partir. Oui, alors, Raïm, vous êtes organisé un peu sous la même forme que Salitas, hein, le centre de formation qui accompagne le club. Aujourd'hui, il se trouve que ce sont vos deux clubs qui sont à la tête du championnat, ou en tout cas les deux clubs phares. Alors, vous, ça vous fait de la fierté ou bien de l'inquiétude? Non, au fait, bon, fierté, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis fier déjà de ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais, puisque nous sommes en train de bâtir petit à petit. Mais, on n'a même pas atteint les 30% de ce qu'on veut faire. Et donc, bon, être en tête, je pense que c'est un peu la faute aussi des anciens clubs. Je pense que s'ils laissent les enfants là venir au-dessus, je pense que c'est dû un peu aussi à leur faiblesse. Oui. Et quand on compare Salitas à Raïmo, oui. Ça, je tiens à éclaircir en fait. Okay. Salitas et Raïmo, on n'a pas les mêmes politiques. Ah, ok. Voilà. Parce que comme j'ai dit, si vous regardez Raïmo, c'est les enfants du centre qui montent, qui compétissent. Salitas prend des joueurs aguerris. Cette année, on prend des joueurs aguerris pour compétir. Okay. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est deux politiques différentes. Mais, quand vous parlez organisation, on a la même organisation. Okay. Comme vous savez, vous avez Maïga, qui a été professionnel aussi, qui est en train de faire un bon boulot, oui. Puisqu'ils sont rentrés en Coupe d'Afrique. Donc, voilà. On a la même organisation. Et ce n'est pas étonnant de voir ces deux clubs-là en tête du championnat. D'accord. Alors, Raïm, vraiment, merci d'avoir répondu à nos questions. Okay. Et surtout d'avoir pris du temps pour nous consacrer. Je pense qu'on aura encore d'autres occasions pour échanger avec vous autour de Raïmo. Okay. Allez, merci beaucoup. Et je tiens à féliciter Salitas pour ce qu'ils ont fait. D'accord. Pour la Coupe d'Afrique, de s'être qualifié pour la Coupe d'Afrique. Très bien. Et je pense que ça aussi, ça va motiver les autres clubs à se dire qu'on peut rentrer en phase de groupe. Très bien. Ouais. Et je tiens à dire quelque chose aussi. Oui. Vous voyez, par exemple, si Raïmo est champion, oui.
Est-ce qu'il faut continuer avec ces jeunes? Est-ce qu'il faut maintenir une équipe compétitive pour aller jouer la Coupe d'Afrique? Ça, c'est déjà une bonne problématique que vous posez. Voilà. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai dit ça. Donc, je vous pose la question. Oui. Et vous allez débattre sur le tableau. Ben, je pense que ça, c'est un bon sujet à débat. On va vous inviter pour le plateau pour en parler. Voilà, c'est ça. Okay. Allez, merci Rahim. Voilà. Il m'a simplement dévancé. Je voulais simplement, après lui, dire qu'il ne peut que ressembler à Salitas s'il est champion. Parce que tu es compétitif, tu ne peux pas jouer avec ces joueurs. Voilà, donc ça, au moins, c'est clair. Oui. C'est une organisation qui va être finalement similaire si d'aventure il est africain. Monsieur Sanou, justement par rapport à ce que Rahim a dit, il a dit que si eux, ils sont en tête du championnat, c'est sans doute dû à la faiblesse des aînés. Bon, ce sont les enfants, donc à la faiblesse des aînés. Est-ce que justement, ils ne touchent pas du bois le véritable problème même de notre football? Oui, il a touché effectivement, véritablement à la plaie donc, de notre football. Parce que cela répond à ce que nous disons. En fait, il n'y a pas de relève. C'est donc dire qu'aujourd'hui, au sein des clubs, nous avons effectivement une classe qui joue aujourd'hui au ballon. Mais comme l'a dit Salif, quand vous repartez dans les clubs, quand vous prenez les clubs, il n'y a pas de répondant. Dire que ce joueur-là, il a joué en cadet, on l'a vu, il était en junior, et aujourd'hui, on est content de le voir effectivement senior. Ça dit que donc, il n'y a pas eu effectivement ces étages-là qui ont permis aujourd'hui à nos équipes, à nos anciennes équipes, entre griffes, en tout cas de se retrouver à la limite au haut du tableau. Donc, ce qu'il dit est tellement vrai. Et cela nous ramène à travailler, pour qu'aujourd'hui, nos petites catégories dans tous les clubs, nous ayons des petites catégories, que la fédération et l'ensemble des clubs travaillent effectivement à la mise en place de petites catégories, parce que c'est ce qui fait la relève. C'est la sève, en fait, de l'équipe. Si on n'a pas ça, aujourd'hui, donc, on sera toujours là en train d'appeler X dans tel club pour le mettre dans tel autre club, faire appel à un joueur étranger, deux joueurs étrangers pour consolider le club. Mais ça va durer jusqu'à quand? Cela, en tout cas, n'est quand même pas une bonne image du point de vue de l'organisation et de la relève d'un club. Le temps, c'est ce qui nous manque. Alors, Bamoussa, pourquoi au sein des clubs, vous ne formez pas? Bon, il faut se dire qu'actuellement, nous n'avons plus le choix. Nous sommes obligés de former, puisque les moyens manquent. Donc, nous sommes obligés de former. Les moyens manquent pour acheter. Donc, tant qu'il y avait les moyens pour acheter. On partait par l'oiseau rare pour venir sauver la situation. Oui. Mais maintenant que les moyens manquent, nous sommes obligés de former. Nous allons à la base pour essayer de former, pour avoir des petites catégories. Ça, c'est en tout cas notre politique actuellement. Nous avons des petites catégories. Donc, nous allons essayer de former aussi pour avoir une relève sûre. Parce que vraiment, pour avoir l'oiseau rare, il faut des moyens. Et comme les moyens aussi manquent, donc il fallait la formation. C'est ce que le club doit faire actuellement. Oui, Salif, le reproche qu'on fait souvent à la fédération de football, que les clubs utilisent souvent comme argument par rapport à la formation, c'est qu'il n'y a pas de compétition de jeunes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un atelier pour les formes de compétition. Est-ce que la structure fêtière du football, qu'est la fédération, ne porte pas aussi une grosse responsabilité? Les clubs peuvent bien former, mais s'il n'y a rien pour s'exercer, c'est compliqué. Il faut que les clubs prennent leurs responsabilités. Par rapport et comment à donner et à insuffler la dynamique dans les compétitions des petites catégories. Si vous attendez tout de la Fédé, qui jusque-là, il y a combien de présidents qui sont succédés à la tête de la fédération? Mais on a vu le résultat. Je pense que le développement du football à la base, ça fait partie du programme. D'ailleurs, même, c'est un sujet qui occupe même une bonne place. Même au ministère des Sports, au niveau du mandat de Sita Sangaré, mais ça tarde à prendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fédération aussi montre ses limites. Que ce soit celle-là ou celles qui ont dévancé Sita Sangaré, ben, je veux dire à la fin qu'il va falloir qu'à un moment donné, les clubs s'organisent et donnent la forme qui vaille. Parce qu'à la fin, vous vous rendez compte que quand on dit qu'il y a championnat, ça, c'est grand maximum 10 matchs. Ouais. Je ne sais pas où on va avec ça. Et aujourd'hui, les observateurs s'accordent à vous dire, en tout cas les techniciens, qu'à 20 ans, il faut pas moins de 50 matchs
pour aspirer à avoir quand même un bon niveau, au niveau des juniors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre championnat A, où il y a 30 journées, si vous êtes titulaire, vous avez 30 matchs. Si vous ajoutez la Coupe du Faso, vous sortez avec 35. Pour avoir au moins 50 matchs, 60, il faut deux saisons. Ça, c'est quand on est senior. Alors que ça doit être le contraire au niveau des jeunes. Et ce n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, il va falloir que les clubs s'organisent. Et, s'il vous plaît, les présidents-là, mettez en place une conférence de présidents. Appelez ça comme vous voulez, mais organisez-vous autour de quelque chose. Voilà. Oui, s'il faut que... Il y avait l'interclub avant. Quand... Non, mais oui. Le problème, c'est que, c'est que quand ils convoquent la réunion à 18h, oui. À 16h, il n'y a plus réunion parce qu'il y a un coup de fil qui fait le tour des conviés. Voilà, on sait ce que vous tramez. Mais à la fin, est-ce qu'il faut tout voir? Oui. Est-ce qu'il faut voir le diable partout? Est-ce oui. qu'il faut penser à un moment donné que ça ne sent que comment on appelle, des intentions électoralistes. Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt ça dans le sens de mettre en place un cadre de concertation au niveau des présidents de clubs pour une meilleure organisation, pour donner un souffle de voix à ce football-là? Je ne sais pas. Mmh. Oui, bon, Moussa, il faut créer ces comités-là, ce parce que oui. c'est très important oui. et pour le développement des clubs. Mmh. Ça, c'est très important. Et même pour, parce que la fédération, c'est l'émanation des clubs. Absolument. Donc, la fédération n'est pas venue d'un seul comme ça. C'est les clubs qui ont envoyé des délégués là-bas. Donc, il n'y a pas de conflit entre la fédération et cette structure-là. Mmh. Donc, il va falloir, en tout cas, travailler là-dessus. Mmh. C'est très important. Mmh. Je pense que d'ici là, il y aura des concertations entre présidents des clubs pour pouvoir essayer de travailler là-dessus, parce que c'est vraiment important pour le développement du football. Oui, alors M. Senou, on est presque en fin d'émission, mais j'aimerais qu'on revienne sur les supporters, parce que finalement, c'est eux qui génèrent l'argent. Si les stades sont pleins, ça va marcher. Ben Moussa l'a dit, le terrain était plein, mais on les a donné 4 700, ça c'est pas chose. Mais est-ce qu'on a de vrais supporters au Burkina ou on a plutôt des sympathisants? Bon, je dirais qu'on a les deux. Hein. On a les deux. On a des sympathisants, on a des vrais supporters. Mais je crois qu'il revient au club de s'organiser. Hein. Il revient au club d'organiser chacun à son niveau, quand même, cette commission chargée des supporters. Parce que si au niveau des clubs, ce n'est pas organisé, qu'est-ce qu'on fait? C'est la passion du football qui prend le dessus. Et donc là, on a des supporters un peu à la va-tout. Et on a des sympathisants, d'accord, qui sont dans la moindre mesure. Bon, si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ce n'est pas leur problème. Et donc, ce sont eux qui disparaissent quand il n'y a pas de résultat. Voilà, ils disparaissent quand il n'y a pas de résultat. Oui. Donc, ce n'est pas des supporters. Oui. Je crois qu'il faut dire qu'on a, d'accord, les deux tendances, mais il faut s'accrocher sur la tendance des supporters. Il faut des supporters vrais, il faut des réels supporters pour les clubs. Il revient donc au club de s'organiser. Quand vous prenez la stature de l'organisation des bureaux des clubs, il doit avoir effectivement des commissions. Et il doit avoir des commissions chargées du marketing, chargées des supporters. Et il faut que les supporters s'organisent pour apporter quelque chose. Et si les supporters s'organisent pour apporter quelque chose, tout de suite le club aussi, ça va aller. Parce que c'est eux qui s'organisent pour dire il faut qu'on rentre au stade, il faut qu'on apporte quelque chose au club, sinon ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, ici, au sein des clubs, il n'y a même pas de commission de supporters. Le supporter, il vient à l'entraînement, c'est lui qui s'impose, il dit ce qu'il veut, il dit à tel entraîneur de partir, mais ce n'est pas leur travail. Donc aujourd'hui, je crois que c'est vraiment dommage. Il faut qu'on revoie effectivement toute cette organisation au niveau oui. des clubs. Bon, Moussa, bon, terminé. C'est bien beau, il faut oui. se dire que... au Burkina Faso, par rapport aux supporters, c'est vraiment compliqué. Mmh. Vous savez, et même au terrain d'entraînement, hein, quand on fixe les prix à 100 francs, pour qu'un supporter vienne débourser 100 francs pour regarder l'entraînement de son club, problème. C'est tout un problème pour un supporter. Mais ils sont prêts à venir se défouler sur les dirigeants, bouffer nos sous, les joueurs ne valent rien. Bon, c'est compliqué. Donc les gens ne veulent pas mettre l'argent, ils ne veulent pas mettre la main dans la poche, mais ils sont prêts à venir déverser les billes sur les dirigeants. Mmh. Donc il va falloir organiser tout ça. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais les gens... Ils viennent travailler quand ils ont intérêt. Quand ils n'ont pas leur intérêt, c'est compliqué. Mmh. Même les supporters, les bureaux des supporters, bon, il va falloir mettre un bureau, c'est vrai, mais il faut que les gens soient... ils aient quelque chose en retour. S'ils ne gagnent rien, ils ne vont pas se travailler pour la justice. Ça, il faut se dire la vérité. Voilà. C'est aussi vrai que pour les supporters que pour les dirigeants, pour les clubs. Parce que quand vous avez un bureau et que les gens ne trouvent pas leur compte, ils ne viendront pas. Convaincu de non, il y a, vous avez 20 dirigeants, il y a 6 personnes qui viendront, les autres n'ont pas le temps. Bon, alors que ça, c'est compliqué. Quand on est dirigeant de club, il faut avoir le temps. Quand on n'a pas le temps, ce n'est pas la peine de s'engager comme dirigeant de football. Alors, on va finir avec Salif, mais sur un thème qui pourrait faire aussi le thème, mais je préfère que tu embrosses rapidement, hein, c'est la stratégie de communication. C'est-à-dire que, est-ce que nous vendons assez
le championnat. Parce que même les matchs qui viennent là, vous attendez les étalons jouent le 22, mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu quelqu'un dire quelque part que les étalons jouent le 22. Alors, pour le championnat, n'en parlons pas. L'une des plateformes apportées de mai actuellement, oui, c'est Internet. Aujourd'hui, ils sont combien les clubs qui ont une vue à travers des sites, des pages Facebook, à même de convier 10 000 vues par jour? Ça, c'est déjà une question. Je pense que ça part à partir de là. Et après, comment on comprend la communication au sein des clubs? Est-ce que ça se résume à dire que le RCK joue contre telle équipe à telle... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire en sorte que sur un clic, on puisse retrouver le président du RCK d'il y a 20 ans. Quels sont les joueurs, ne serait-ce que l'ossature qui a constitué cette équipe des années 80? Et pour moi, puisqu'on ne peut rien faire sans base, sans histoire. Si vous n'avez pas la possibilité de constituer votre propre histoire, vous ne pouvez même pas faire de communication. Je pense que c'est à partir de là. Ça renvoie à quoi? À l'archivage. Il faut archiver. Et après, il faut mettre des gars capables de donner une certaine image de l'équipe à travers ces plateformes sur les réseaux sociaux pour commencer. D'accord. Voilà, on est en fin d'émission. Merci, merci Salif. Je rappelle que les auditeurs de Horizon FM auront l'émission dimanche. 15h-16h. 15h-16h, et rediffusée. Le lundi à la même heure. Voilà, alors donc sur BF1, c'est tous les mercredis à 22h. Merci Monsieur Sanou. Merci à Bamoussa Traoré. Merci à Raïm Ouedraogo qui a intervenu au téléphone. Merci à Jonathan Ilboude et à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous chers téléspectateurs de BF1, auditeurs de Horizon FM. Au revoir et à la prochaine.